Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Le but de cette vidéo, c'est pas de refaire le reporting qui est là. Je tiens à préciser qu'on l'a déjà fait dans une vidéo que j'ai publiée il y a peut-être 3-4 mois maintenant. Donc n'hésitez pas à aller voir ce reporting. Mais le but de cette petite vidéo, c'est de vous montrer comment faire une mise en forme, en fait, tout simplement. Là, j'ai un reporting, là, j'ai une base de données qui est là. J'ai un reporting global ici. Et j'ai un reporting ici par pays. Non, excusez-moi, par ville plutôt. Je souhaite tout simplement prendre les données de là à là et l'envoyer en PDF. Voilà, tout simplement. Donc, vous avez fait le contexte très rapidement. Vous avez fait un reporting sur Excel. Vous souhaitez en fait envoyer le résultat à la direction sous format PDF. Comment le faire? Déjà, avant de commencer, on va faire déjà. On vient ici rapidement. Voilà. Donc, vous donner envie d'aller voir la vidéo d'origine. Si vous voulez, ce fichier reporting est lié à la base de données qui est là. Donc ici, en changeant le nom de la ville, attends, je vais agrandir un peu. Du coup, tout ça. Hop. Vous avez une courbe en dessous ici. Voilà. En changeant le nom de la ville, tout change en fait, voyez. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce reporting, c'est très, très intéressant. Ce qu'on va faire ensemble ici, c'est juste la mise en page. Donc, je souhaite envoyer ça, les données de là à là. Donc, je prends la première feuille. Je fais Shift, je prends la dernière feuille comme ceci. Ça me permet de tout, excusez-moi, ça me permet de tout sélectionner. Je fais Ctrl P, comme ceci. Voilà, là, j'ai bien choisi. Impression en PDF. Et là, voyez, vous avez juste à cliquer sur imprimer ici. Mais voyez ici, on n'a pas de numéro de page en fait. Voilà. Parce que je change comme ceci, j'ai pas de numéro de page. Pas de numéro de page. C'est pas très beau comme ça. Donc l'idée ici, on va voir ensemble comment mettre tout simplement le numéro de page. Donc pour ce faire, vous sélectionnez bien. Vous classez bien plutôt les onglets dans l'ordre, voilà. Ensuite, vous venez ici dans mise en page. Vous cliquez là. Ensuite, ici dans marge, voilà. N'hésitez pas à centrer. Là, c'est déjà fait, mais n'hésitez pas à centrer ici, horizontalement et verticalement. Ça permet d'avoir tout au milieu. Lorsque je décoche ça, j'ai ça. Regardez ici. Et lorsque je coche tout, on voit que mon reporting est bien centré. Ensuite, je viens là. Je vais rajouter un pied de page. Vous avez plusieurs formats. Format page 1, page de 1 à... On va prendre celui-là. De 1 à X. Et là, je vais choisir... J'ai le choix en tête de page, personnaliser un pied de page. On va plutôt choisir le format pied de page. Ici. Et là, par défaut, j'ai les numéros de page qui sont affichés au milieu. On va le mettre plutôt à droite, non? Donc, je copie tout ça. Je copie ça. Je le colle là, tout simplement. Et ça, j'efface. Je fais OK. Je fais un petit aperçu à l'impression. Voilà. Vous voyez bien ici que j'ai le numéro de page. Ici, j'ai le reporting global. Là, j'ai celui de Barcelone, Madrid, Paris, Pékin et Barcelone. Voilà, tout simplement. Après, oui, vous avez juste à cliquer sur imprimer et enregistrer. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est tout pour moi. Un petit tuto rapide pour vous montrer comment faire une petite mise en forme avant impression. Voilà. Bon courage à vous et au revoir.